c'est parti. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, tour. Tu vas bien? Oui, oui, mais il vaut mieux que je m'arrête pas si je peux comprendre. Ne dis pas ça, on vient du bon représentant. Pourquoi tu me regardes de cette façon? Pourquoi tu ne m'as pas dit que le texte était de Diego? Pourquoi tu m'as caché ça? Parce que j'avais peur. Je ne te comprends pas. Et je ne sais pas si je peux comprendre. Ne dis pas ça, voyons, Diego ne représente rien. C'est ça, oui. Il ne représente rien, c'est juste une chanson, non? Parce que j'avais peur. Je ne te comprends pas. Et je ne sais pas si je peux comprendre. Ne dis pas ça, voyons, Diego ne représente rien. C'est ça, oui. Il ne représente rien, c'est juste une chanson, non? Une chanson qui te fera penser à lui chaque fois que tu la chanteras. Parce qu'il sera là, parce que ce sont ses mots, c'est romantique. Ne viens pas me dire qu'une chanson ne signifie rien. Vous y allez pas? Parce que j'avais peur. Je ne te comprends pas. Et je ne sais pas si je peux comprendre. Ne dis pas ça, voyons, Diego ne représente rien. C'est ça, oui. Il ne représente rien, c'est juste une chanson, non? Ça m'a échappé. Puisque Maxi ne veut pas continuer dans le groupe, pourquoi ne pas le remplacer par Marco? Quoi, remplacer... Attends un peu, attends. Comment ça, tu veux me remplacer par Marco? Si tu veux rien savoir du groupe, pourquoi tu t'énerves comme je ça? Je veux rien savoir. Qui a dit ça? Vous savez comment ça s'appelle chez comment? Moi, ça? Une trahison. C'est une trahison. Pas trahison. Pas ça va, il faut arrêter ça. Ça quelle va. Trahison? C'est bon. Mais comment quelle trahison? C'est une trahison. Ça ne sert à rien de dire que tu t'es marqué, les gars. Alors, est-ce que je peux pas? Je ne peux pas. Je ne sais pas si je peux comprendre. Ne dis pas ça, voyons, Diego ne représente rien. C'est ça, il ne représente rien, c'est juste une chanson. Thank you.